présenter Stéphane. Alors donc Stéphane, donc aussi non connu sous le nom de Joe Gillian sur les sites DVD Anime, Planète Jeunesse et quelques autres, et Cobra World. Et donc donc je suis rédacteur, j'écris des critiques, modérateur sur ces divers sites. Voilà. Donc peux-tu nous présenter ta passion, ces deux sites? Alors mes sites ou les sites auxquels je participe, donc Cobra World en premier, donc site que j'ai créé en 2000, donc tout sur l'univers de Cobra. Ensuite après DVD Anime principalement, où là j'ai intégré l'équipe en 2002, 2003, je ne me rappelle plus, enfin bon par là, où pour écrire des critiques tout simplement, quelques critiques. Et après j'étais rattaché à IDP jusqu'à cette année en fait, hein. IDP pour l'instant, c'est pas trop ce que ça va devenir, mais enfin c'est... Donc là, je faisais ça, et puis Planète Jeunesse, où je m'occupe à la fois des fiches, du site, du forum, et sur DVD Anime aussi, le forum, je suis modérateur. Et donc, je sais savoir comment tu as connu le site Coucou Circus. Alors Coucou Circus, moi je l'ai connu plus à travers Planète Jeunesse en fait, enfin DVD Anime un petit peu, mais surtout à travers Planète Jeunesse. On a fait un petit échange de bannières, alors je me rappelle plus dans quelles circonstances c'était, mais c'était un petit échange au niveau musical, parce que Coucou Circus, donc c'est la musique. Donc voilà, c'était pour rediriger un petit peu les personnes qui cherchaient des génériques et tout ça sur un site qui faisait que ça principalement, puisque nous sur Planète Jeunesse, on n'a pas voulu rentrer dans cette partie-là des génériques avec les paroles, les musiques et tout. Donc on redirige ça vers Coucou Circus, entre autres. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de Coucou Circus. Est-ce que tu as des messages à transmettre? Déjà bon anniversaire. Oui. Et puis j'espère que le site vivra longtemps et qu'il y aura toujours plein de petites nouveautés régulières et puis voilà quoi. Un site qui apparemment a fait ses preuves, plutôt bien foutu, plutôt de bonne qualité et tout, donc j'espère qu'un site comme ça continuera longtemps à vivre. Merci beaucoup.